C'est un bon discours, mais il n'a pas pris le risque, je dirais, de redire ici devant les militants socialistes ce qu'il a dit à Jouy-en-Josas devant le MEDEF. Donc finalement, ça reste ambigu. Et moi, j'ai tendance à penser que ce qui déterminera notre jugement, c'est la politique qui est menée. J'ai pas le sentiment qu'elle va se rééquilibrer. Donc a priori, ça ne change pas notre volonté de continuer à nous battre pour un autre équilibre dans la politique du gouvernement. Je ne conteste pas la nécessité non plus d'aider les entreprises. Ce que je conteste, c'est le fait qu'on mette 40 milliards sur la table sans contrepartie, sans exigence vis-à-vis des entreprises et qu'on ne mette pas les moyens suffisants pour doper le pouvoir d'achat des milieux modestes et remettre de l'essence dans le moteur. Donc c'est un débat sur l'équilibre de notre politique et sur un peu l'identité, les valeurs qui sont derrière aussi.